installé, qui est installé, comme toi. Est-ce que tu peux envisager de te mettre à côté des gens pour faire quelque chose de plus grand? C'est ça. Moi, j'ai ouvert même la porte à tous les Nigériens qui veulent collaborer avec moi. J'ai ouvert la porte à tous ceux qui veulent collaborer avec moi. Je les ai dit de venir. Effectivement, actuellement, il y a d'autres qui veulent venir avec moi et nous allons travailler ensemble en tant que frères. Parce qu'il n'y a pas de secret. Moi, je fais quand même le tour du monde. Et partout où j'ai vu des Libanais, des Somaliens, des Maliens aussi. Oui, qui travaillent ensemble. Ils se mettent ensemble. Oui, ensemble. C'est là seulement qu'on n'arrive pas à se réunir. Oui, l'union fait la force. L'ambassadeur est prêt pour nous aider. Okay. Donc, essayez de vous inscrire en ayant d'abord premièrement votre carte consulaire. Mm-hmm. C'est qui est d'abord la première chose. Mm-hmm. On ne peut pas aider une personne tant qu'on ne sait pas qui il est. Vous voyez, en ayant la carte consulaire, ça veut dire qu'on sait exactement qui il est. Mm-hmm. Quand on a des problèmes, on peut se référer à l'ambassade pour dire qui est cette personne. Mm-hmm. Et réellement, elle est crédible. Et maintenant, en fonction de sa crédibilité, on peut essayer de l'appuyer. Mm-hmm. Donc, on vous demande vraiment de vous inscrire, mm-hmm. de venir vers nous, pour que nous pour pouvoir... La carte consulaire est là. C'est ça même le problème de la base des Nigériens qui sont... Il n'y a pas de suivi ici. Il n'y a pas de suivi. Si tu as besoin d'aide ou qu'on a une information, tu ne sais pas où te référer. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Monsieur Rila et moi, c'est aussi parce que moi j'ai un message du président de la République à passer à nos compatriotes aux États-Unis, en commençant par Harrisburg ici, mais aussi des instructions. J'ai reçu des instructions du ministre d'État aux Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale, de l'intégration africaine, mais aussi des Nigériens de l'extérieur. Le message du président est très simple. Il m'a fait m'asseoir et il m'a dit : tu vas aux États-Unis, nous avons des compatriotes. Il faut qu'ils s'organisent pour contribuer au développement du pays comme tous les Nigériens. S'organiser veut dire qu'on est unis. S'organiser veut dire qu'on a des objectifs communs. C'est le message que je veux que tu passes. Et je sais que, te connaissant, tu le feras directement. Et tu as l'ancienneté qu'il faut pour pouvoir respecter les gens et pour construire une ambiance de respect mutuel, parce que ça c'est très important. Le ministre des Affaires étrangères qui est en charge les Nigériens de l'extérieur va faire entreprendre au sein du ministère des Affaires étrangères une réflexion profonde sur la place de la diaspora nigérienne et sa contribution au développement du pays et à la rénovation du pays, parce que nous sommes passés à une phase différente maintenant de l'histoire de notre pays. Nous recevrons des instructions très précises du ministère sur les axes, mais le contenu de tous ces axes-là viendra aussi de vous. C'est de vous que ça doit venir, ce qu'on fera en dernier ressort, parce que chaque pays a son contexte, ses opportunités, ses contraintes, etc. Le président, que je dois remercier infiniment, Jean-Claude, a dit que le passé, c'est le passé. On ne peut pas bâtir l'avenir en revenant toujours sur le passé. Ce qui aurait dû se faire, qui ne s'est pas fait, etc., etc. On tire les leçons et on avance. Tout à l'heure, dans la discussion, certainement que nous viendrons à des questions très importantes, comme les questions de l'immigration, le respect nécessaire des lois du pays dans lequel nous sommes,
question de carte consulaire, etc. Parce que pour que l'ambassade aide la communauté à jouer son rôle pleinement, il faut que l'ambassade sache qui est qui ici. Que nous recensions précisément nos compatriotes, que nous connaissions leurs expertises, les différents domaines dans lesquels ils peuvent le plus utile, et à la communauté dans son ensemble ici, mais aussi au pays. Moi, j'ai fait le tour du monde avec les Nations Unies, avec d'autres organisations. J'ai fait l'Afghanistan, j'ai fait le Nigeria plusieurs fois, j'ai fait la Jordanie, j'ai fait les États-Unis même ici, 3 ans à la Banque mondiale. Je viens du Rwanda et du Congo maintenant. Partout où les choses marchent pour les communautés étrangères, j'ai vu les Somaliens, j'ai vu les Kenyans, j'ai vu les Maliens, pour ne citer que cela. Partout ça a marché, c'est là où les gens se disent nous sommes du même pays, nos intérêts sont liés, nous avons une communauté de destin, il faut qu'on se donne la main. Ce matin, avant de venir ici, je suis en retard, nous sommes allés voir quelques compatriotes. Il y a une dame qui a un restaurant, il y a quelqu'un qui a un dealership ou un body repair, un garage, au moins 2 garages. Et j'ai dit au président et à ceux qui étaient avec moi, voilà ce qu'on veut voir. Ce n'est pas nos divisions de clochers de village. Ça, nous avons tout ça. On peut faire ça comme on veut, à nos ordres perdus. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants si ce n'est l'amour du travail et la contribution à l'amélioration du sort de nos populations au pays? Et on l'apprend ici. Si quelqu'un est devenu président des États-Unis alors que son père vient du Kenya, ce doit être possible pour les Nigériens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui vont faire leur vie ici, en tout cas leurs enfants vont être ici, même s'ils n'oublient pas le pays, de bâtir solide aussi pour, peut-être pas pour devenir président, mais en tout cas prendre des villes, être des maires, ceci et cela, en tout cas exister. Et quand on dit Niger, on ne dit plus Nigeria, ou qu'on pense seulement à des questions de terrorisme et autres, parce que c'est ça en ce moment l'actualité. Bon, je ne veux pas faire digression, parce qu'on va discuter, mais je tenais d'abord à dire ces choses-là. Avant de vous écouter, il est très important qu'on vous écoute, mais pensons positif. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour marquer notre présence aux États-Unis en tant que Nigériens? Pour qu'aussi nous ayons une certaine visibilité au pays. Parce que les choses évoluent très vite. On est en période de rénovation, je vous ai dit. Le retour à la démocratie n'est pas quelque chose de fictif. Nous sommes revenus dans l'AGOA. Automatiquement après le retour aux élections, les élections qui sont passées, comme tout le monde sait, de façon exemplaire chez nous, tout de suite les États-Unis ont levé la suspension sur l'AGOA. Et vous savez combien le Niger a exporté vers les États-Unis l'année dernière, en 2011? Ce que ici les gens appellent pocket money, 91 000 $. Est-ce que c'est tout ce que nous avons apporté vers les États-Unis, que leur marché est ouvert aux produits nigériens, ou aux produits fabriqués au Niger, même si c'est par des étrangers? Ça doit nous faire réfléchir. Il y a des pays qui ont aujourd'hui qui sont le Millennium, qui sont au Millennium Challenge américain, qui reçoivent 200 millions de dollars américains pour travailler. Nous, on traîne un peu parce qu'au Niger, il y a eu quelques problèmes, les problèmes que vous savez, de politique, qui nous ont retardés, qui nous ont perdu ça. Aujourd'hui, nous repartons dessus encore et nous travaillons d'arrache-pied avec M. Rila et avec notre partenaire et l'équipe du Millennium Challenge à Niamey pour faire bouger les choses. Le Millennium Challenge à Niamey dépend directement de la présidence. Il y a toute la question de l'éducation, du soutien à l'éducation, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le secteur de l'éducation ici, du développement humain, que ce soit la santé et autres, pour lequel on peut avoir une coopération très fructueuse avec les États-Unis. Moi, je suis un produit de la coopération nigéro-américaine. J'avais une bourse USAID, ça ne coûte plus les rues, heureusement, malheureusement aujourd'hui. J'ai fait mon master au Texas, j'ai fait mon PhD à Tallahassee en Floride, avec des bourses américaines. Aujourd'hui, on a des problèmes pour avoir ça. Il faut qu'on travaille à se repositionner ici pour que ce soit possible. Avant-hier, j'étais avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Johnny Carson. Toutes ces questions dont je vous parle, on les a évoquées pendant une heure et demie à peu près. Ils sont prêts à soutenir. Mais moi, je reste persuadé d'une chose. Tant que nous n'avons pas derrière nous une communauté nigérienne organisée et qui se bat, et qui marque sa présence, une ambassade de 3, 4, 5 personnes ne fera pas grand-chose. Et nous avons besoin de ce packing-là. Nous le devons pour notre pays. Je ne veux pas être plus long, parce que je sais qu'on va discuter. On a pris des contacts avec des Nigériens
de tous les bords, ainsi dire. Je ne parle pas seulement de bord politique, parce que pour moi, ça, c'est une autre histoire. Quand on est ensemble, on pense d'abord à être ensemble. On survit ensemble. Et ensuite, nos affaires, là, on les réglera ailleurs. Je sais pas, c'est ça le plus important. Compte tenu du message du président et des instructions du ministre des Affaires étrangères, dès mon arrivée et dès le premier contact des autorités américaines, dès qu'on m'a dit, OK, tu peux commencer à travailler, à d'abord voir nos compatriotes. C'est pour ça que le bureau de la COMSA est venu à la résidence le 18 décembre. C'était une façon aussi de marquer notre 50e anniversaire de la République. Et donc, je vous remercie infiniment. Moi, je suis honoré de la façon dont vous nous avez accueillis. Donc, les questions de Tchini Mazan Arabusa, pour nos anciens de la bouteille, question comme nos anciens passeports. Les gens qui ont un passeport qui m'a mis. Et puis, après, à vous, vous avez un passeport qui m'a mis. Vous avez un savon passeport. Mais vous avez un passeport qui m'a mis. 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 Alors que moi, je suis un passeport qui m'a mis. Comment vous avez un passeport qui m'a mis. Vous avez un passeport qui m'a mis. Vous avez un passeport qui m'a mis. Vous avez un passeport sa kasa kudi kasan tabu oh wai vraiment mo in ana iya gyara mu gani wanda yake son passport kamar in yana iya bi ta ambassade da gauga ya son passport kin shi vraiment sa wani zai dubu ku eh par rapport aussi a zancin da rabuta na visa la majorité mun zo nan wuri visa shekara daya ake ba mu on est obligé de nous retrouver dans la clandestinité comme yanda ta waje shekara daya ba ta gyara ma wani abu trauma don bon ni kakina kamar irin da bunta ne mu yan lakwal ne da muka zo ta lalace sai mun ga mun cuɗi juna ne zamu tashi gaba abin da zamu girmama kasan mu idan muka zo muna jin tsoron juna ba zamu samu mai abin da za ya ci gaba ba ta haka ya kamata ku da kanku da kuka zo nan ku ƙara jawo hankalin wakilan mu da kenan su ƙara bi suna fukantar da jama'a kullun da irin abubuwan da zamu ci gaba mu samu ya kai mu gaba ba kullun mu tsaya baya ba alhamdulillah in irqisabu zama iddu ambassador hannu kan baborai aka ga salon borai sai duka ga borai morgu akwai gini Nigeria na visit borai kan ningai association ne ferry de borai kan yan gwand business yangai garage yangai restaurant yan akwai gi visit amma kan Nigeria ne kalabora is sensibilize borai ferry iningai business yan ferry borai gere go kolokol borgere go ngai muradeci akan borai morgu an borai kula hangai problemai da matkan situation goda da matki go chaddi da kwarara amma rai mo jama'a sai chaddi borai musalan da kunu za borai ngai problemai kunu za mu kai gidi ambassador ingan dai imsalan gaba daga Nigeria ngai problemai guna ir wasi la premier fakan gidi ambassador kan ambassador borai kaka ambassador kan bina ga ferry aka ga borai hangai problemai ga fakare da borai burkul kan wani problem ane boram gi kunuza imkagdi ambassador borai.